allait avoir derrière. On ne connaît donc pas le Katanga. On ne sait pas s'il existe des limites naturelles permettant de fixer la frontière entre Katanga et Rhodésie. C'est l'inconnu total. En 1890, plus d'un tiers du territoire de l'État indépendant du Congo vit sous l'influence arabe. Une correspondance du capitaine Tison évoque les tensions qui existaient à l'époque. Si vous apprenez que l'on a des inquiétudes par suite de l'hostilité des Arabes, remettez 50 hommes de votre détachement au capitaine Anquet. L'esclavage est une réalité. L'Afrique constitue pour le monde arabe un marché dans lequel on trouve la main-d'œuvre esclave. On va mettre en avant la lutte contre l'esclavage. La lutte contre l'esclavage avait été décidée par Léon XIII. Léon XIII en avait chargé le cardinal Lavigerie. C'est comme ça que lui apparaît là-dedans avec les Pères Blancs d'Afrique. Et on a mis la lutte contre l'esclavage en avant alors que les considérations économiques étaient réelles. Léopold II l'a dit plusieurs fois, parlant de plusieurs de ses expériences, « Je cherche une bonne affaire ». Mais pendant ce temps, un personnage ne restait pas inactif. Il s'agit de Cecil Rhodes, à l'époque premier ministre de la province du Cap, en Afrique du Sud. Prétendant que le Katanga étant inoccupé, c'était un territoire nullius, res nullius, et que il pourrait donc, le premier qui s'y installerait pourrait réellement en prendre possession. Léopold II était évidemment au courant de ces visées de Cecil Rhodes, mais occupé qu'il était par la fondation des postes dont je viens de parler, et également par la préparation de la lutte anti-esclavagiste qui allait bientôt se déclencher, il ne disposait pas des ressources nécessaires pour occuper le territoire katangais. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, avait dit Stanley. Dès 1889, la compagnie du chemin de fer du Congo est fondée. Les premiers ingénieurs débarquent à Matadi. On engage des Antillais, des Chinois, qui ne résistent pas aux conditions de travail. Les fièvres, la variole, le beriberi déciment les travailleurs. Les survivants désertent, fouillent le chemin de fer. Pourtant, le travail se poursuit. Il faut tailler le roc, franchir les ravins, creuser des tranchées, pénétrer dans la forêt inextricable. Voici le premier ticket payant de l'exploitation des 40 premiers kilomètres. 1892, inauguration de la section Matadi-Kenge. 1898, le dernier rail est posé. Le premier chemin de fer de l'Afrique centrale est belge. La réussite est grandiose, mais le tribut payé est lourd. 132 blancs, 1800 noirs périront pour que le rail relie l'énorme bassin du Congo à l'océan Atlantique et au monde. Pendant ce temps, la compagnie du Katanga prospecte. En 1892, le géologue Jules Cornet découvre d'importants gisements de cuivre. Depuis longtemps déjà, les indigènes fondaient le cuivre dans ces fours rudimentaires pour confectionner les croisettes qui leur servaient de monnaie. Les Belges sont armés pour affronter l'exploitation du cuivre? Avant de penser à exploiter, il fallait évidemment résoudre le problème fondamental des communications. Aussi, des conversations s'engagent-elles avec les Anglais, dont le chemin de fer avait atteint Broken Hill en Rhodésie et le Dénard. Et un accord est finalement conclu vers les années 1903-1904, en vertu duquel les Anglais acceptent de prolonger le rail jusqu'à la frontière katangaise, étant entendu que les Belges prendront leur lait et construiront un chemin de fer au Katanga, jusque dans la zone du cuivre, de manière à assurer un trafic convenable à ce nouveau chemin de fer. L'État indépendant du Congo appartenait au roi Léopold II. En 1908, ce territoire devient une colonie belge. Désormais, une loi fondamentale organise le système des pouvoirs. Le gouvernement belge aura un ministre des colonies. Les superficies comparées de la Belgique, de l'Europe et du Congo belge expliquent l'héritage redoutable et l'atout extraordinaire que représentait ce territoire. Alors, c'est la fête en Belgique? Est-ce qu'il y a des manifestations? Personne ne sait rien. Personne ne sait rien, c'est l'indifférence totale. N'est-ce pas? Il y a un vote qui est le vote de reprise au Parlement, la loi est sanctionnée par le roi et puis c'est fini. N'est-ce pas? Ça passe. Dès 1910, le rail rhodésien atteint Elisabethville.
Entre-temps, l'union minière du Haut-Katanga avait été créée en 1906 et on prévoyait un chemin de fer reliant le Katanga à la mer. Le désenclavement partiel du Katanga par chemin de fer étant finalement résolu, on peut songer à constituer une société pour exploiter le potentiel découvert par la Tanganyika. En effet, la Tanganyika, à la suite de prospections fort détaillées, fort précises, évaluait le potentiel cuivre du Haut-Katanga à 2 millions de tonnes de cuivre métal, chiffre qui devient évidemment intéressant. L'étoile du Congo, la plus ancienne mine du Katanga, à 12 km au nord-est d'Elisabethville. Nous ignorons pratiquement tout de ce film, réalisé entre 1912 et 1919 et retrouvé grâce à la complicité de l'Union minière. Ce sont sans doute les premières et les seules images animées du début de la ruée vers le cuivre, un épisode déterminant de la gigantesque épopée minière belge en Afrique. On a entamé les travaux de terrassement à l'étoile dès avant l'arrivée du rail à Elisabethville, donc dès avant 1910. La plus grande partie devait être abattue à l'explosif. Il faut forer des trous de mine, évidemment, pour y introduire l'explosif. Et voilà, une des premières perforatrices Ingersoll. Ces perforatrices n'avaient pas l'injection d'eau par le fleuret. Il fallait donc continuellement refroidir ce fleuret en envoyant de l'eau dans le trou de mine. Ça, c'est une pelle à godet d'environ 500 litres. Deux personnes pour le maniement d'agri. Vous voyez que l'opérateur est encore européen à l'époque. Et à côté de lui, un indigène. Vous voyez la corde qui permet d'ouvrir le bas du bac. Eh bien, le rôle de l'indigène qui se trouve à côté de l'opérateur, c'est de tirer sur cette corde pour permettre l'ouverture du bac et le déversement du minerai dans les wagons. Ici, on a entamé, je ne sais pourquoi, une exploitation souterraine, probablement dans cette couche particulièrement riche. Je suppose que c'est la raison pour laquelle on s'est enfoncé en souterrain. Il y a donc là un plan incliné qui permet la remonte des wagonnets de Coville. Les wagonnets sont déversés dans une trémie. Alors, de cette trémie, le minerai est repris par la chaîne à godet que l'on voit à gauche. Et alors, le minerai passe dans un dépulpeur qui sépare les produits très fins, c'est-à-dire la poussière, somme toute, de minerai, des blocs. Et ce sont seuls les blocs qui sont chargés en wagon pour être alimentés à la fonderie. Parce que la fonderie consistante en water jacket, c'est-à-dire en haut fourneau, ne peut admettre que des produits calibrés. On ne peut pas y introduire de fines. Il faut donc séparer les fines des produits, des autres produits pour obtenir des produits calibrés. C'est un travail assez simple, n'est-ce pas? Et comme le noir est très imitateur, comme c'est un travail répétitif, on le lui apprenait assez aisément. À feu continu, évidemment, le haut fourneau, il n'est pas question de l'arrêter. Il doit travailler de façon absolument continue. Voilà les wagonnets qui arrivent sur le plancher de chargement. Donc en dessous des rails là, c'est un four. Oui, c'est un four. C'est pas. Ça. Ouais. Normalement, la fumée s'échappe par les carnots vers la cheminée, mais dès qu'on ouvre la porte supérieure pour permettre le chargement, il y a une partie des fumées qui se dégage par là, bien entendu. Alors là, on a un genre de petite grue qui avance. Ici, nous voyons des fours à coque. Fours à coque très rudimentaires encore, alimentés par du charbon de Wanki en Rhodésie du Sud. De l'autre côté, il y a un pousseur qui pousse le coque qui se trouve à l'intérieur du four. Il est encore à haute température, à plus de 100 degrés, et on le refroidit en l'arrosant copieusement. Vous voyez donc le coque qui sort en gros éléments. Comme il convient pour le water jacket. Ici, nous sommes en dessous, à l'étage inférieur du water jacket. On débouche un trou de coulée et vous voyez le cuivre qui s'écoule dans les lingotières placées sur un chariot. Voilà la coulée du cuivre. Et combien pesait ces lingots? Ceux-là, je suppose.
suppose qu'ils doivent peser une petite centaine de kilos, 70-80 kilos, je suppose, enfin, parce qu'on ne se rend pas bien compte de la dimension exacte. C'est du cuivre pur. Oh, c'est un cuivre noir, mais assez pur, parce qu'à l'époque, on était moins exigeant sur la qualité des matières premières. Autour de l'étoile, il y avait des villes, des villages. Oh, il n'y avait rien du tout. Le pays était pratiquement un désert humain. Les villes n'existaient pas encore. Il existait quelques maisons d'Européens autour d'Elisabethville, mais à cette époque-là, c'est seulement, je crois, en 1910 ou 1911 qu'il a été décidé d'installer le chef-lieu de la province, la capitale de la province, à Elisabethville. Enfin, l'exploitation devait absolument se suffire à elle-même, il fallait tout prévoir. Oh, bien sûr, oui, il fallait absolument tout importer, n'est-ce pas? Parce que les ressources du pays, au point de vue alimentaire et agricole, étaient pratiquement nulles. Convaincu que seul un personnel en bonne santé assure un bon rendement, l'Union minière multiplie hôpitaux et installations sanitaires, dont les Noirs furent les premiers bénéficiaires. Lorsque l'on a créé l'Union minière, la décision de fonder une grande industrie minière et métallurgique dans ce coin isolé de l'Afrique, en plein centre de l'Afrique, comportait évidemment de risques sérieux et devait se heurter à de très grandes difficultés. La première de ces difficultés, c'était l'absence de voie de communication. Cela a été résolu en principe, comme je viens de vous le dire, et le rail atteindra Elisabethville en 1910. La seconde difficulté extrêmement importante, c'était le manque de main-d'œuvre sur place. Alors, on recrutait donc le long du rail, arrêté à Broken Hill, et il fallait alors venir en caravane jusqu'au Katanga, et le trajet durait au minimum 20 jours. On creuse des trous de mine à la main. On n'a pas encore de perforatrice. Alors, à Cambourg également, assez rapidement, on a ouvert une petite exploitation souterraine. L'exploitation de Cambourg va commencer en quelle année approximativement? Aussi vers les années 13, probablement 12 ou 13. La seule voie d'évacuation qui existe à l'époque, à partir d'Elisabethville, c'est le chemin de fer qui arrive de Cape Town et qui atteint Elisabethville après un trajet de 3600 km. C'est donc par cette voie-là que le cuivre est exporté par Cape Town et puis de là alors à bord de bateaux à destination soit d'Anvers, soit d'Hambourg principalement. C'est donc une voie d'évacuation extrêmement longue et par conséquent fort coûteuse, ce qui grève naturellement les résultats économiques des exploitations du Katanga. Il ne faut pas croire qu'après 1906, l'Union minière est entrée directement dans une période de gloire. Il a fallu trois menaces de fermeture très sérieuses et une trentaine d'années pour que les techniques soient maîtrisées, le financement convenablement assuré et que l'Union minière puisse connaître alors la période de fabuleuse expansion qui s'en est suivie. Les découvertes du Katanga excitent la convoitise des puissances coloniales européennes, jusqu'alors apparemment insensibles au Congo. En 1886, Léopold II crée la force publique. Sa mission est double, défendre le territoire, maintenir l'ordre, tout en participant à la pacification du Congo. Le service militaire devient obligatoire en 1894. Les problèmes sont nombreux. Pourtant, lorsque le 9 août 1914, l'Allemagne attaque le Congo, les troupes du Katanga sont devenues une force homogène qui permet une mobilisation rapide. Toute l'action militaire va pratiquement se limiter à la prise de Tabora. Il y aura bien une seconde campagne au moment où les Allemands qui étaient encerclés se dégageront. Ce sera ce qu'on appelle la campagne de Mahenge. Mais ce sont des opérations, je dirais, militaires très ponctuelles, menées d'ailleurs en accord avec alors les Anglais de l'autre côté, n'est-ce pas, qui formaient tenaille sur l'Est africain allemand. Nous n'évoquerons pas les nombreux affrontements qui se déroulèrent dans d'épouvantables conditions. Nous retiendrons simplement le retour victorieux de la force publique à Boma, où les militaires et anciens militaires belges accueillent les vainqueurs du Cameroun.
Ce qui est beaucoup plus important, ce sont peut-être les visées belges. Les visées belges sont très clairement de se constituer pour le jour de la paix une monnaie d'échange dans les territoires que l'on a occupés. Et cette monnaie d'échange dans l'esprit de l'époque doit permettre à la Belgique de négocier dans un accord tripartite avec l'Angleterre et le Portugal l'élargissement de l'accès du Congo belge à la mer. N'est-ce pas ? Depuis très longtemps, il n'y a qu'une rive qui est belge, et depuis très longtemps, les Belges espèrent obtenir les deux rives pour contrôler, n'est-ce pas, le débouché complet du Zaïre sur la mer. Les Portugais refusent obstinément, et l'une des idées, c'est de dire aux Anglais, on vous cédera une partie de l'Afrique orientale, ou on peut céder une partie de l'Afrique orientale aux Portugais, n'est-ce pas, elle touche le Mozambique ici, la Tanzanie, ancien Tanganyika. En échange de quoi les Portugais nous céderont quelque chose. Ce sera totalement déçu devant l'obstination portugaise. Et on restera avec le Rwanda au Burundi, bien entendu. Avec la guerre 14-18 s'achève l'ère des pionniers. La nature engloutit les derniers vestiges des combats. Une nouvelle génération de coloniaux utilise désormais le cinéma pour informer la métropole. La négligence, le désintérêt provoquèrent la disparition de la plupart de ces nombreux documents irremplaçables. Parfois, l'une ou l'autre réalisation refait surface, comme ce film 35 mm inflammable que M. D'Artois nous proposa un jour. Ce film, je ne sais pas ce qu'il nous montre, puisque c'est un film 35 mm. Et bon, je n'ai jamais disposé de projecteur pouvant... Je n'ai jamais pu le visionner. L'affiche accompagnant le film annonce des images des troupes belges au Congo pendant la guerre 14-18 par le capitaine Auguste Boé. Imaginez notre joie. Les mauvaises conditions de conservation avaient endommagé le film, mais avec mille précautions, nous avons chargé le projecteur. Nous partions à la découverte de l'Afrique de 1918. Soudain, la pellicule dérape. Le film se déchire. La projection s'arrête. La pellicule a rétréci. Le film ne peut plus être ni visionné ni copié dans les limites budgétaires de l'émission. C'est alors qu'à Mons, nous rencontrons un passionné de cinéma. Il était hors de question de jeter ce document avant de l'avoir visionné. Aussi, nous entreprenons avec sa collaboration un long travail de restauration. Travail qui finit par aboutir. Donc c'est avec cet appareil ici que vous travaillez dans les années... Dans quelles années ? Dans les années 30, monsieur. C'est un appareil de 1935, un Klank film. Comme ça, on va pouvoir découvrir ce film de 1925. Vraisemblablement. Et convenablement. Il va peut-être un peu vite, mais... Eh bien, si on mettait en marche. Manifestement, il ne s'agissait pas d'images de la guerre 14-18. Du Katanga au Kasaï, nous suivions la progression d'une caravane qui remontait de Bukama vers Luzambo, le grand centre commercial du Congo belge. Dans les années 20, qui suivent immédiatement la guerre, l'idée est véritablement de commencer peut-être l'autre partie de ce dont parlait l'acte de Berlin, une occupation effective et une administration. Alors évidemment, au moment où l'on part dans cette voie-là, je crois que tout suit. On met en place l'administration, derrière l'administration va suivre beaucoup plus facilement le commerce, va suivre beaucoup plus facilement l'agriculture, l'élevage, les activités médicales, c'est vraiment... la mise en place du système colonial belge. Bientôt, la capitale du Congo belge sera transférée de Boma à Léopoldville. De grandes réalisations se préparent. L'activité se développe. Nous ne ferons pas l'exégèse du développement économique, des nombreux travaux entrepris, des innombrables sociétés exploitant les fabuleuses richesses de ce vaste territoire. Guidés par les films de particuliers, nous irons à la rencontre des témoignages de ceux qui vécurent au Congo pendant l'entre-deux-guerres.
C'est à ce voyage candide dans le temps, à l'écoute de leur expérience, que nous vous convions dans nos prochaines chroniques congolaises. Prétendant que le Katanga étant inoccupé, c'était un territoire plus occupé qu'il était par la fondation des postes dont je viens de parler, et également par la préparation de la lutte anti-esclavagiste qui allait bientôt se déclencher, il ne disposait pas des ressources nécessaires pour occuper le territoire katangais. Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pays. On engage des Antillais, des Chinois, qui ne résistent pas aux conditions de travail. Les fièvres, la variole, le beriberi déciment les travailleurs. Les survivants désertent, fouillent le chemin de fer. Le fer de l'Afrique centrale est belge. La réussite est grandiose. Pendant ce temps, la compagnie du Katanga prospecte. En 1892, le géologue Jules Cornet découvre d'importants gisements. Les Belges sont armés pour affronter l'exploitation du cuivre. Avant de penser à exploiter, il fallait évidemment résoudre le problème fondamental des communications. Aussi, des conversations s'engagent-elles avec les Anglais, dont le chemin de fer avait atteint. Les Anglais acceptent de prolonger le rail jusqu'à la frontière katangaise, étant entendu que les Belges prendront leur lait et construiront un chemin de fer au Katanga, jusque dans la zone du cuivre, de manière à assurer un trafic convenable. Mon père est né à Louvain, bien que sa famille soit originaire de Saint-Léger. Et après la guerre, il s'est installé comme médecin à Florentville et il s'est spécialisé en ophtalmologie. Et puis, la vie étant difficile, il ne gagnait pas bien sa vie, il avait déjà 5 enfants, il a décidé de partir au Congo. Ce qui était un drame pour ma mère, hein, parce que c'était très mal vu par toute la famille partir au Congo à cette époque. Par une froide matinée de mars, je me suis vu sur le pont de l'Anversville, qui partait pour Matadi. C'était émouvant à ce moment-là, un départ pour le Congo. Tous les parents et amis pleuraient sur le quai. Au moment de lever l'ancre, on entonnait l'orchestre du bord, entonnait la Brabançonne. On avait l'impression de vivre une aventure. On se demandait si on partait pour le plus recul. Évidemment, le Congo avait mauvaise réputation à l'époque. On prétendait qu'on partait là-bas que si on était au bout de toutes les ressources humaines ou économiques, ou qu'on ne partait là-bas que les desperados, ceux qui n'avaient plus rien à espérer, et qu'on en revenait imbibé d'alcool, pourri par le paludisme, et qu'on ne valait plus grand-chose. Mais enfin, ça avait un certain goût d'aventure et j'étais tenté par l'aventure. Et c'est ainsi que j'ai décidé de partir pour le Congo. Partir. Jusqu'aux années 30, seul le bateau assurait la liaison entre le Congo et la Belgique. Exploité par la compagnie belge maritime du Congo, les paquebots s'appelaient Theysville, Anversville ou Elisabethville. Le passage de l'équateur était l'occasion de rompre la monotonie des 3 semaines de traversée. Le passage de la ligne signifiait aussi qu'on approchait du but du voyage. Quelles étaient les premières impressions de ces nouveaux arrivants? Comment découvraient-ils cet univers dans lequel ils devraient vivre pendant au moins 3 années? Il faisait chaud, bien entendu, mais il n'y avait rien de spécial. On arrivait dans un port, en face il y avait des grandes maisons, il y avait une banque, il y avait des magasins, et ainsi de suite. On se trouvait pas dans une forêt, on se trouvait dans une ville déjà. Petite ville, mais ville quand même. Le gouvernement siégeait à Boma. Léopoldville était la capitale, mais le centre administratif restait Boma,
et le gouverneur général résidait à Boma. Et les coutumes, je dis les strictes règles de l'époque exigeaient que tous les nouveaux fonctionnaires arrivant à la colonie aillent présenter leur dévotion au gouverneur général et que pour ce faire, ils soient en habit avec col et plastron amidonné et le casque, évidemment, parce qu'il fallait gravir la colline pour aller jusqu'à la résidence du gouverneur. Et c'était un spectacle du plus haut comique de voir ces malheureux qui transpiraient dans leurs costumes européens et dans leurs plastrons amidonnés en gravissant la colline par une température, il était environ une heure, c'était l'horaire du bateau qui voulait que ce soit cette heure-là, et gravissaient cette colline par 32 ou 33 degrés à l'ombre, sans qu'il y ait d'ombre, bien entendu. Mais on ne découvre pas encore l'Afrique telle qu'on l'a imaginée, voyez-vous. Parce que si vous dites, tiens, je vais aller en Afrique, je vais au Congo, les gens se disent, tiens, il va dans la forêt, si vous voulez. Ça n'était pas vrai. Il y avait à côté de nous, n'est-ce pas, des étendues, ce qu'on appelait la brousse, enfin, où il n'y avait rien que de l'herbe, enfin, et des arbres, et ainsi de suite. Mais pas de grandes forêts, ni rien du tout. Nous avons inauguré la ligne du chemin de fer, hein, à ce moment-là. Nous avons été les premiers blancs à rouler